Thomas n'a peur de rien. De Christine Neumann-Villemain. Illustration de Marianne Barcillo. Aux éditions Kaléidoscope. Attention, à chaque fois, n'entendez le son. Tourne la page. L'histoire va commencer. Thomas n'avait peur de rien. Rien ne l'effrayait. Tout bébé, déjà, il aimait rien tant que dormir dans le noir complet, porte fermée, sans doudou, sans chuchette, sans musiquette. À 3 ans, jamais il ne surgissait dans la chambre de ses parents au milieu de la nuit en criant « Au secours, il y a un monstre dans mon lit !» Le premier jour d'école, tous les enfants hurlaient. Je veux pas y aller. La maîtresse, elle est vilaine. Les enfants, ils sont méchants. Thomas, lui, était très content. Il trouve tout le monde charmant. Lorsque ses parents lui lisaient de l'histoire, jamais il ne triomphait. Même s'il était question, gros méchant glou, d'une horrible sorcière. D'un fantôme terrifiant ou d'un pédiatre avec des grands poils partout. Rien ni personne ne l'impressionnait. Évidemment, ses parents s'en fait des soucis. Ils auraient aimé avoir un enfant comme les autres. Ils ne savaient que faire, doutant que tout le monde avait son avis sur la question. Essayez donc la croûte de poule en sachet, suggérait le boucher. On m'en a donné quand j'étais petit, et rien que d'y penser, j'en ai encore les dents qui claquent. Entre lui, des films horribles la journée, proposait les crémières et mettait une cassette de bruit atroce la nuit. Un truc qui flingue vraiment les chocottes, c'est de les perdre exprès dans un magasin, l'achat, l'épicier. Les parents décidèrent donc de consulter un spécialiste. Dans la salle d'attente, ils prévinrent. Thomas, chérie, la dame faut t'examiner. Elle va sûrement te regarder dans la gorge. T'appuyer sur le ventre et peut-être même te faire une piqûre. Aïe, aïe, aïe. Tu n'auras pas peur, mon petit cœur. Thomas ne répondit même pas. Enfin, il fut son tour. Le docteur lui fit un bilan complet. Elle posa beaucoup de questions. Le sculpteur, avec attention, plus elle déclara. Madame, monsieur, effectivement, votre fils n'est pas comme tout le monde. Mais ça n'est pas grave du tout. Ça peut même être formidable pour lui. Imaginez, il pourra faire des choses dangereuses et géniales. Comme par exemple, je ne sais pas moi. Coiffeur ou fric. Chatoueur d'éléphant. Dentiste pour enfants. À propos de dents, tu en as une qui bouge. Félicitations, mon garçon. La petite souris va passer. Une souris? Ah! Cette histoire a été racontée par... Ali. Isra. Kibra. Youssouf. Abdelkader. Irem. Dylan. Marwa. Zinedine.